Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen. À la recherche. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie Peut-être que tu me dirais, écoute Léo, ça y est, on est près de la retraite, je suis déjà à la retraite, il n'y a pas grand-chose que je cherche dans ma vie. Peut-être, mais j'ai fait mes petites enquêtes et apparemment, il y a deux objets qu'ils se perdent le plus souvent dans notre vie. Vous savez, c'est lesquels Les lunettes, bravo. Combien de fois vous cherchez partout les lunettes ils sont... Ah, ils sont sur ma tête, eh Hein et la deuxième chose qu'il se peur le plus dans notre vie, c'est les, les clés. clés. Tout le monde est d'accord avec moi. Vous avez pensé que j'allais partir sur un truc philosophique d'une quête profonde, n'est-ce pas Non, non. Permettez-moi de commencer par des choses basiques. Ce soir, on fait, les dix sont des vivos ici, dans cette église-là, mais à 18h. Et ça fait 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on a fait plein d'activités. On a fait des cultes en nature, en montagne, à la plage. On a fait des cultes de partout. Et une de ces cultes-là, on l'a fait au nom de Salève. On s'est donné rendez-vous en face des, des, des téléphériques. Non, ce n'est pas un téléphérique, c'est un télésiège. Un télésiège, parce qu'il y a un. Et donc, on était là. Un téléski, oui, téléski, merci beaucoup. Ce n'était même pas un télésiège. Et donc on était là, on était une trentaine de personnes. Je ne sais pas si, si vous vous souvenez, quelques-uns, on était là. Et quelqu'un, il a dit écoutez, on va prendre une photo avec le Mont Blanc derrière, c'est magnifique. On, donc on a laissé toutes les voitures dans le parking, on est sorti, on est parti prendre la photo et on revient. Et là, on devait aller au Piton, pour ceux qui connaissent la région. Et à ce moment-là, l'une des personnes qui était avec nous, il dit, je ne trouve pas la clé de la voiture. Et on a commencé à chercher. On a commencé à chercher, on a regardé partout. Et elle, elle dit, moi je sais, elle est où la, voiture, la clé On a dit, où Elle elle est à l'intérieur de la voiture. Sauf que la voiture, elle était fermée, évidemment. Et, et tout le monde m'était sûr? Oui, je suis sûr parce que j'étais avec les chiens, que j'étais en train de garder. Je ne sais pas qui. Oui, la clé, elle est à l'intérieur. Et on continue à chercher. La clé, elle est à l'intérieur. On n'arrivait pas à ouvrir. Qu'est-ce qu'on a décidé? On pète la vitre. Et on a pété la vitre. On a cassé la vitre. Tout ça, c'était long moment de discussion. Et donc, on ouvre la porte, tout le monde. Ah, on cherche dedans et la clé n'était pas là. Et je lui ai dit écoute, reprenons le chemin où tu étais. Elle dit j'ai sorti de la voiture, on allait prendre la photo, j'ai traversé par là. Ah, voici la clé. On avait cassé la vitre. Alors, Petite anecdote pour introduire le message d'aujourd'hui, mais combien de fois les amis, on cherche quelque chose au mauvais endroit. Et, et je pense que spirituellement, ça peut nous arriver aussi. Chercher, 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 mais on ne cherche pas dans le bon endroit. Combien de fois on, on cherche aussi quelque part d'être heureux et ce bonheur-là, on va le chercher ailleurs. En pensant que c'est la fête, que c'est la nuit. Combien de jeunes, aujourd'hui, ils pensent que leur bonheur, ça passe par ça, par le voyage éphémère, par aller en boîte Et je ne suis pas en train de critiquer cela, je suis en train de dire tout simplement qu'est-ce qu'on cherche et où on le cherche. Et j'ai fini avec une dernière anecdote. Un ami à moi, il cherchait une femme. Il était désespéré, il voulait une femme. Sauf que le milieu dans lequel il fréquentait, c'était toujours le même endroit. C'était en boîte. Et donc, quand il allait en boîte, bah, il rencontrait une nana, mais cette relation-là, elle était tellement éphémère qu'il se disait, mince, pourquoi ça ne fonctionne jamais Et je lui ai dit, mon ami, pourquoi tu ne cherches pas ailleurs maintenant Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on cherche il y a l'étude des sociologies le plus long qu'il a été fait au monde jusqu'au jour actuel. Et c'est une étude qui a été faite à Harvard. Le professeur qui a guidé cette étude-là, qui ça, il a duré plus de 70 ans d'années, et c'est une étude sur le bonheur de l'être humain. Où chercher ce bonheur là Et je vais vous en parler bientôt. Mais d'un. Cette enquête, ils ont posé une question. Et cette question-là, elle était à la génération Y. Vous savez, c'est quoi la génération Y C'était les gens qui ont commencé à écouter avec les Wallman et les écouteurs que ça tombait. Et c'est pour ça qu'on les appelait la génération Y. Donc la génération Y, c'est la mienne. Même s'il si y a des collègues qui me disent que je suis un papy, que je suis vieux, je suis jeune encore. Dites-le moi, comme ça je me réconforte. Alors, la question qu'ils ont posée, c'était la suivante, mes amis. Quel est le but le plus important dans votre vie Ce sont donc deux, qu'est-ce que tu cherches dans la vie Tous les gens qui sont nés entre les années 80 et 90. Ils ont posé cette question-là. Première réponse 80% de ces personnes-là, ils ont répondu devenir quoi Riche. Et c'est vrai que la Suisse, ce n'est pas un pays qui cherche la richesse, n'est-ce pas et 80% des personnes qui ont été questionnées, ils ont répondu devenir riches. Comment c'est possible que toute une génération, le seul but dans leur vie, c'est devenir riche C'est triste, non Parce que ça suffit d'écouter les témoignages de ces personnes-là qu'ils ont accompli énormément de choses, qu'ils sont des fortunes, que tu te rends compte que finalement, ce n'est pas ça le bonheur. C'est pas ça la véritable quête dans la vie. Alors, l'autre, s'en compte pour ça, il a répondu de devenir célèbre. Mamma mia, comme ils disent les Italiens. Devenir célèbre. Pourquoi vous pensez que les réseaux ils fonctionnent tellement bien aujourd'hui Pas bah, simple, parce que les gens, ils cherchent à vivre de cette manière-là. Ils cherchent la célébrité, mais ils cherchent à gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Eh, les amis, bienvenue au monde moderne. Hein mais c'est ça qui, aujourd'hui, caractérise notre société. Une société qui cherche tout ce qui est éphémère. Une société qui cherche l'amour, le bonheur, à travers les réseaux. Désolé de peser les mots que je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait le sexe en Internet Ou sur Internet Quelque chose que Dieu a construit dans, dans un cadre magnifique. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé qu'on l'a mis dans, dans une boîte Et là, il y a des gens qui vont chercher le bonheur là. Et malheureusement, vous le savez comme moi, que c'est pas là qu'on va trouver cette bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on cherche Oui, j'ai parlé de la génération Y, mais les baby boomers, les X, les Z, qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce que vous cherchez Quelles sont les priorités Et rappelez-vous le culte de la 12 semaines en arrière. J'ai parlé des priorités aux priorités. Quelles étaient les priorités dans ma vie Et aujourd'hui, je voudrais approfondir avec vous sur ces sujets-là. Et permettez-moi d'aller à Matthieu chapitre 6, verset 25. Et lire avec vous les premiers versets. Et on va étudier vraiment le texte. Jésus-Christ, il a dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi le, vous le vêtirez. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Si vous prenez le contexte dans lequel Jésus-Christ, il disait ces paroles-là dans le sermon de la montagne, juste avant, il va parler de quelque chose de très important. Juste avant, il va parler des mamans, des dieux, de Dieu, de l'argent. Et là, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne, ne vous inquiétez pas. Et permettez-moi de faire une petite réflexion. Imaginez qu'aujourd'hui, on avait le privilège d'avoir Jésus-Christ, qu'il vienne en chair et en ose, ici, à l'église de la Cluse, à Genève, en Suisse, nous faire un discours, nous faire une prédication. Et là il ne fait pas des commentaires de style des hauts théologiens avec trois, quatre doctorats. Non Notre maître, notre Seigneur, le Sauveur, le roi des rois. <coughs> il dirait tout simplement: «Mon ami, pourquoi tu t'inquiètes de ce qui se passe aujourd'hui? Et à partir de là, il dit ces simples paroles. et je parle de notre maître. Est-ce que s'il se met debout ici et il lit tout simplement, il dit ces paroles-là, est-ce que peut-être tu te dirais pas, c'était un peu simple aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu dirais pas, bon, ce n'était pas la vraie nourriture? Hein? Ce n'était pas la nourriture solide? D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont dire les pharisiens. Alors, si aujourd'hui tu te poses ce type de questions, peut-être que tu vas te dire si, est-ce que tu n'es pas de côté des pharisiens Parce que moi, je ne veux pas être de côté pharisiens. Jésus va dire quelque chose de très simple ne t'inquiète pas. Ce qu'il est en train de parler, c'est tout simplement de ces mots-là que j'ai appris dans la langue française et que je les trouve extraordinaires <coughs> Superflu qui est en plus de nécessaire, qui n'est pas strictement nécessaire pour ta vie aujourd'hui. Mais la société aujourd'hui, ils nous vend des choses qui sont pas vraies, les amis. Ils nous vendent des besoins que nous n'avons pas. Aujourd'hui, les publicités, ils fonctionnent comme ça. Les gens qui travaillent dans la publicité, ils disent comment je peux faire comprendre à cette personne-là que sans ces produits là il ne pourrait pas vivre. Et permettez-moi de retourner les choses dans le sens spirituel. Comment j'ai fait pour faire comprendre à tout ce qu'il cherche le superflu que Jésus-Christ, sans lui, on ne peut pas vivre Et c'est là que Jésus-Christ il va amener l'auditoire à se poser cette question-là et se dire Attendez, pourquoi vous inquiétez Quelle est votre préoccupation numéro un La santé quelle est votre préoccupation numéro un Avoir la maison Avoir un bon, des bonnes finances pour être tranquille Si vous reprenez le texte, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Il dit pour votre vie. Et les mots pour votre vie, qu'il apparaît là, qu'il est en majuscule, c'est les mots psouké en grec. Et pour ceux qui sont fait un peu des grecs classiques ou, ou qu'ils sont abordés un petit peu la Bible, et le texte original dans le Nouveau Testament, ces mots-là, c'est ce qu'il va donner origine à la psyché, à la psychiatrie, à tout ce qui est en rapport avec les pensées, les émotions. Est-ce que vous savez la quantité des gens qu'aujourd'hui, ils sont des crises d'angoisse, crises de panique, des gens qui n'arrivent plus à sortir dans la rue, pendant les Covid, les amis les psychiatres, je connais les statistiques en France, ils sont explosés parce que la nouvelle génération, ils n'arrivaient même plus à sortir de chez eux pour aller travailler. La nouvelle génération, ils n'arrivent même plus à prendre la vie active. Quand ils arrivent à l'université, c'est le stress plus possible, je n'arrive plus à bouger, je n'arrive pas, crise d'angoisse. Quand ils arrivent dans, la, dans le moment dans lequel ils doivent commencer à travailler, c'est la crise. Envie d'un monde angoissé aujourd'hui à cause de la psyché. Et Jésus-Christ, il dit Pourquoi vous inquiétez Pour manger Pour vous vêtir Pour votre corps Et là, il va donner trois exemples, notre Seigneur Jésus-Christ. Trois exemples très simples que j'aimerais les reprendre avec vous, même si vous les connaissez. Alors, ces trois exemples, et j'ai mis trois, trois exemples et demi, juste pour rigoler, parce que ce n'est pas clair dans le texte. Mais voyez, quel est le premier exemple qu'il va dire Il va dire Regardez les oiseaux du ciel. Ils s'aiment pas, ils ne les moissonnent pas. Le Père Céleste, il fait quoi Il les nourrit. J'étais en train d'étudier la Bible avec un, un jeune homme. Il était un petit peu dans ce cadre-là. Et je ne partageais partagé ces textes bibliques. Et le jeune homme, il me dit Ah, tu vois, Léo, ça c'est la preuve qu'il ne faut pas travailler. <laughs> J'ai dit C'est pas tout à fait ce qu'il dit le Seigneur, parce qu'il dit Regarde les oiseaux, ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, par contre, il faut qu'il aille récolter. Vous êtes d'accord avec moi ou pas le texte, il ne dit pas que c'est le Seigneur, que Jésus, qu'il vient et qu'il met la nourriture dans la bouche, dans le bec. Il dit quoi Il dit que ils sont nourris parce que dans ce monde-là, il y a tout ce qu'on a besoin pour survivre. Alors, le deuxième exemple, il apparaît au verset 27. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger ton soi de peu L'adoré de la vie. Et là, le mot vie, il n'est pas le même mot qu'on a vu au commencement. Là, il parle, qui pourrait agrandir son stature, son âge, prolonger sa vie humaine, si tu t'inquiètes beaucoup. Vous connaissez ces gens-là qui sont inquiets tout le temps pour savoir s'ils vont choper un cancer, s'ils vont tomber malades j'ai connu des gens qui ils sont tellement obsédés par des mauvais trucs qu'ils se passent dans le monde, que je dit, écoute, ne t'inquiète pas, viscéra -vis mon ami. Tu vas tomber malade sinon toi-même d'ici, là-haut, en premier. Et c'est la tête qu'il va finir pour tom faire tomber malade tout le corps. Et là, le Christ, il était en train de parler un petit peu de cela. Est-ce que si tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, finalement, tu vas finir pour améliorer ton niveau de vie Et écoutez cette phrase-là, je ne sais pas si ça fonctionne en français, mais en espagnol, ça fonctionne parfait. Donc, si vous voulez, je vous la dirai après en espagnol. Mais pourquoi tu t'es préoccupes au, au lieu de tout simplement t'occuper Et t'es bien ou non Pourquoi tu t'es préoccupé d'un problème quand le problème arrive, occupe-toi. Arrête d'être pris, occupez. Arrête de t'inquiéter avant que les choses arrivent. Il y a des statistiques qui sont géniales de ce qui se passe dans notre cerveau. Des choses qu'on prévoit et qu'on pense. Vous savez, quand tu, te, quand, quand tu te prends le bec avec ta, ton épouse et que Bon, moi, c'est la nouvelle génération. Donc, je l'écris un texto. Ma femme, je vois qu'elle n'est pas très contente. Je lui réponds. Et là, je suis dans la voiture. Et je lui dis Ouais, mais quand j'arrive, elle va m'écouter. Je vais lui dire ça, je vais lui dire ceci. Et, je vais... et tu vois, pendant 20 minutes, là, j'ai nourri. J'ai dit Mais Seigneur, comment elle peut me dire un truc pareil Moi, que j'aime autant. Et tu vois, je... c'est victime totale, oui ou non Ça ne vous arrive pas à vous. Hein moi, ça m'arrive. <laughs> Et j'arrive à la maison, Karim m'ouvre la porte, et me dit « Bonjour mon amour, ça va ?» Il me donne un bisou. Pourquoi j'ai pris autant de temps pour essayer de résoudre une situation qui n'était même pas là Oui, parce que je suis prévoyant, Léo. Oui, d'accord, prévoyant, oui. Mais s'il te plaît, prenons les paroles de Jésus simplement et disons hey, « Eh Seigneur, je ne vais pas continuer à grandir, je ne vais pas pouvoir changer ma situation de vie, tout simplement parce que je m'inquiète. » Tout simplement parce que je me préoccupe de quelque chose. Et le troisième exemple, c'est au verset 27, il dit Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas. Si Dieu habille, habille les serbes des champs, ne fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, chantant de peu de foi Parole tellement simple. Grosso modo, Jésus-Christ, il était en train de dire Écoute, toi, tu te préoccupes pour ta vie, pour ta psyché, tu te préoccupes pour comment tu vas manger, qu'est-ce que tu vas manger, et tu te préoccupes aussi pour comment tu vas t'habiller, pour ton standing de vie. Et moi, je t'ai dit que, et il va donner trois exemples de la nature. Est-ce que vraiment on a besoin de tous les vêtements qu'aujourd'hui on porte est-ce qu'on a besoin d'avoir une montre Est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier iPhone Je me parle à moi-même, là. Est-ce qu'on avait soin d'échanger les modèles de voitures tous les 3-4 ans pour ceux qui le peuvent Voyez la vie que nous, on vit. On est des gens bénis. On est des gens qui ne nous manquent rien. Et je le dis, le 30, ici, priorité aux priorités. Et finalement, on est tellement centré sur nos manques, au lieu d'être centré sur la reconnaissance. On est tellement centré dans ce que j'aimerais chercher et que je n'aurais pas trouvé. Et c'est là que Christ, il va revenir et il va dire pour la douzième fois dans un texte, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous... De quoi nous allons nous vêtir. Le verset 32. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. On parle souvent de monde, le monde souci, le monde cela. Mais est-ce que parfois on n'est pas des grands imitateurs de monde? Qu'est-ce que tu cherches vraiment C'est là que Christ, il va interroger son public, il va les dire cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Je vous pose une question très simple qu'est-ce que le Seigneur il vous donnera de ce que tu en as besoin. Si simple que ça. La meilleure lecture que j'ai trouvée de ce texte là, ce n'est pas le problème de ce que tu cherches. Ce n'est pas si tu cherches à avoir un bon diplôme, si tu cherches à percer dans ton entreprise, de devenir chef, ce n'est pas que tu puisses chercher à trouver une famille, à former une famille, à acheter une maison, ce n'est pas là le problème. Parce que pendant très longtemps, l'Église était très culpabilisante envers nous, envers les membres de l'Église, en disant « tu vois comment tu es, tu cherches que les trucs éphémères, tu cherches des trucs qui sont banals ». Tu cherches le superflu, c'est mal, c'est mauvais, c'est le monde qui cherche ça. Oui ou non On n'avait jamais entendu personne parler comme ça. Le problème, il n'est pas là pour Jésus. Le problème n'est pas que tu cherches ces choses-là. Le problème, quelle est la priorité que tu mets dans les recherches de tes vies, dans ta vie Et là, c'est pour ça qu'il dit cherchez d'abord le royaume et sa justice. Parce qu'ici, les amis, combien parmi vous vous êtes réveillés ce matin et vous avez dit Seigneur, que ton règne vienne C'est une question sérieuse. Hein? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui l'a prié, notre Père, au moins, en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne Un, deux, trois. Oh, bien, on est cinq déjà. Tu l'as prié Tu ne l'as pas prié aujourd'hui, non Ah, ok, d'accord. On lâche. Ah, bravo Jacinto, bravo est-ce que comme Église, on se préoccupe pour chercher le royaume des cieux et sa justice? Est-ce qu'on essaye d'établir entre frères et sœurs le royaume de Dieu comme une priorité dans notre vie? Est-ce qu'on est plus inquiet de comment on va finir ou comment les toilettes ils vont être faites, comment l'autre église il va aménager la salle en bas, comment on va faire pour que l'église arrive à trouver les offrandes pour finir l'année Est-ce que notre préoccupation principale, c'est chercher d'abord le règne de Dieu, d'établir le royaume de Dieu ici en bas entre frères et sœurs Et je vous pose des questions très simples, comme le Seigneur, je pense qu'il aurait fait. Si les rois, si ici on est les citoyens du royaume des cieux, est-ce que notre perspective du monde, il ne devrait pas changer Est-ce que ma perspective de comment le Seigneur il travaille dans la vie d'un de ses enfants, il ne devrait pas être différente Parce que quand on cherche d'abord le royaume des cieux, ça change tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au verset 34, il répète une troisième fois notre Seigneur Jésus-Christ. Trois fois, en quelques versets, mes amis, en moins de dix versets, notre Seigneur Jésus-Christ, il répète trois fois la même phrase. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Je pense que l'Église adventiste du septième jour, dans laquelle je travaille, je suis pasteur, et je suis fier d'être ici avec vous, je pense qu'il a oublié le but principal, sa quête principale, qui c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Et vous savez pourquoi le Saint-Esprit, parfois, il ne peut pas être versé dans notre vie, dans nos églises, dans nos familles, parce qu'on se trompe sur ce qu'on est en train de chercher. Parfois, on cherche la connaissance. Parfois, on cherche à être des spécialistes de la loi, alors que le Seigneur, il nous propose des choses simples, d'être des... de tout cœur avec celui qui il pense comme moi, mais aussi avec celui qui est très différent de moi. Établir véritablement le royaume des cieux, ici en bas. Parce que quand je commence à comprendre ce qu'il représente, chercher le royaume des cieux. Quand je commence à comprendre que le règne de Dieu, il doit prendre une dimension différente dans ma vie, ça change tout. L'autorité de ma vie, elle n'est pas la même. Vous vous rappelez ce texte biblique, il a dit Et il parlait, pas comme les autres, il parlait il parlait avec autorité. Qu'est-ce qu'il a dit avant de dire allez faire des disciples dans toutes les nations? Tout pouvoir, Tout pouvoir toute autorité m'a été donnée dans le ciel comme sur la terre. Quand je commence à chercher le royaume de Dieu d'abord dans ma vie, je commence à rentrer dans une dimension qui n'est pas terrestre. Et je vais vous expliquer avec un dernier exemple très concret. Il y a quelques temps en arrière. Une personne qu'il met très cher, chrétien, et qu'il avait vraiment découvert cette notion-là de royaume de Dieu et sa justice. Qu'il avait compris qu'il était un enfant de Dieu. Et que grâce à Jésus-Christ, il était co-héritier du grand roi. Donc, s'il y avait le Dieu de l'univers, il est roi, et grâce à Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que je suis un prince et que tu es une princesse. Là, c'était le moment de dire Amen, Léo, Amen. Là, ça, ça nous. Non Parce que, quand même, on est prince et princesse de l'éternel. Mais si vous explique pourquoi Est-ce que vous avez vu déjà un prince pauvre Une princesse pauvre cet homme-là, il était en train de conduire sa voiture. La voiture, elle tombe en panne. Et il avait compris cela. Et la personne qui vient le chercher, dans, dans une sorte de. Comment ça s'appelle, le, le camion Un dépanneur. Il le prend. Et le monsieur, il monte à côté de lui. Il s'est mis à chanter. Cherchez d'abord. C'était pas celle-là qu'il a chanté, mais c'est pas grave. Et le gars, le dépanneur qui était avec lui, il lui dit Mais attends, pourquoi vous chantez Il a le moteur qui l'est pété, la voiture, ça ne sert à rien, ça sert à la caisse. Pourquoi vous chantez Pourquoi vous êtes souriant Il dit Vous avez tellement d'argent pour acheter une autre voiture Il dit Ah non, je n'ai même pas 12 francs. Expliquez-moi comment c'est possible que vous soyez si joyeux dans une situation si complexe. C'est ce qu'il a répondu, cet homme-là il a dit, bah, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas d'argent, mais mon papa, il est très riche. Ah, votre papa, il a de l'argent? <laughs> il est le roi de l'univers. Attendez, vous me parlez de qui? Et là, cet homme-là, il a commencé à rendre témoignage dans la voiture de ce que Christ il, il allait faire dans sa vie. Et vous pouvez croire ou pas croire, histoire de cinéma, Hollywood, pensez ce que vous voulez. Conclusion. Quelques semaines plus tard, il y a une personne qui vient le dire à cette personne-là, cet homme-là qui avait perdu sa voiture, tiens, je t'offre une voiture que pour toi. Amen. Notre Papa du ciel, il prend soin de chacun de ses enfants. Et moi, je suis là. J'espère que vous aussi, vous êtes un de ses enfants. Après ce message, eh bien, je voudrais introduire le, le chant ⁇ Viens, ne tarde plus, adore ⁇ avec ces quelques réflexions de David qui, alors qu'il disait qu'il avait soif de Dieu, qui s'est rappelé qu'en contemplant Dieu, il est comme rassasié, nourri, rempli. Et euh, C'est pour ça qu'on vous propose ce chant en, en fin de cette recherche de qu'est-ce qu'on cherche, ben, qu'on puisse prendre maintenant à travers ce chant. S'inviter à venir adorer et adorer aussi en se rappelant qui est notre Dieu, ce grand roi. Levons-nous. Père éternel, je, je voudrais commencer cette prière pour, pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parfois, on est tellement soucieux, on est tellement inquiets par ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. On est tellement inquiets de, de ce qu'il pouvait se passer avec nos enfants, avec nos finances, avec le monde tel qu'il va aujourd'hui. Qu'on oublie, Seigneur, de te donner la première place. Et pardonne-nous pour cela, Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse être versé sur cette communauté, sur chaque membre ici présent, Seigneur, et ceux qui nous regardent sur Internet. Que ton Esprit puisse nous aider à mettre les priorités dans nos vies en ordre. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, il puisse nous aider à chercher d'abord le royaume des cieux, le tien, pour qu'on puisse comprendre toutes les dimensions de ce qu'il représente pour chacun de nous, d'être tes enfants, être des princes et des princesses, des rois des rois, des seigneurs des seigneurs. Je te prie que tu puisses nous accompagner dans ces 2024 et que chercher ton royaume. Il puisse être la priorité de cette communauté, de ton Église, afin que quand tu vas revenir très bientôt, Seigneur, on puisse, on puisse te dire Amen, Seigneur. Alléluia, Maranatha, que tu puisses revenir et qu'on puisse réjouir les uns les autres, grâce à que tu sois avec nous pour l'éternité, dans ce royaume éternel que se le tien. Amen. Je vous laisse la bénédiction qu'il se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 21 et 22. Que le vainqueur, je lui donnerai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'étais vainqueur et je me suis assis, mon Père, sur le, père, sur le trône de mon Père. Que c'est lui qui a des oreilles entend et que l'Esprit, ce que l'Esprit. Deus e Igreja. Amém.